Tout le monde. Je vais mettre la musique. Oh, j'ai du mal. Ça y est, j'ai pas streamé un jour, je suis perdu. C'est ouf. C'est ouf. Faudra me dire si la musique c'est bon, si c'est pas bon, si le son de la voix, tout ça, comme à chaque fois. Si vous m'entendez bien malgré la musique derrière, ou s'il faut que je rebaisse la musique et que je remonte, je sais pas quoi. Tout est ok pour vous? Est-ce que Jade est malade? Bah, Jade, t'es à l'école? Jade voulait que sa maman dorme avec elle? Elle a été odieuse, voilà. Je sais pas ce qu'elle me, elle me disait, mal à la langue, ou j'ai pas compris. Voilà, elle s'est réveillée plusieurs fois et ça a chouiné, le bobo, j'ai pas compris. Coucou Fifine! Comment ça va les filles? Ok. Merci pour l'information informative. Vous êtes au top. Jade voulait commander sa mère et la rendre folle. Ouais, non, mais en ce moment, je sais pas ce qu'elle a. Il y a un truc qui doit lui faire peur dans sa chambre, mais il faut que je trouve quoi. Parce que. Elle a sa veilleuse, mais après, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui fait de l'ombre à un endroit et qu'elle croit qu'il y a quelque chose? Je sais pas quoi. J'essaye de fermer son rideau de sa penderie et tout. Parce que je pense que ça peut lui faire peur. Je sais pas. Mais je pense qu'il y a un truc qui lui fait peur dans sa chambre. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Donc on va voir ce qu'on en pense. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faudrait que je finisse mon cute and creepy. N'est-ce pas? On me voit que je suis motivée. Hein. Tu veux que je vienne chasser le méchant qui lui fait peur, hein? Ah non, mais il a été relou, quoi. Son père a essayé, il lui a fait un gros câlin et tout. Je commençais à rentrer dans mon lit. Et là. Ah, ok. Allez, j'ai pris mon doudou et je suis partie. Putain, j'en ai marre. Et là, hop, je me suis posée, je fais câlin et tout. Elle était tellement fatiguée, elle n'a pas mis longtemps à s'endormir. Mais j'ai essayé de repartir. Non! Donc je sais pas. S'il y a un truc qui lui fait peur ou si vraiment elle a mal quelque part. Je sais qu'elle a le nez qui coule et tout, donc peut-être que c'est sa gorge plus que sa langue. Enfin, je sais pas. Il va faire lui faire dire quelque chose déjà avec stutute, là, tu comprends rien de ce qu'elle dit. Tu crois qu'elle me prend juste pour un clown? Les oreilles? Non, elle ne monte pas les oreilles. Je pense pas qu'elle puisse avoir mal aux dents. C'est des dents de lait. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc le mystère Jade n'est toujours pas résolu. Voilà, j'espère que cette nuit, j'aurai le droit de dormir dans mon lit. Mais je crois qu'elle se mord la langue. Faut qu'elle arrête la tutude, je pense, qu'il est temps. Mais elle tue tellement quand elle dort. Oh, c'est infernal. Je te jure, je l'aurais allaitée, elle. J'y passerai mes jours et mes nuits. Elle a ce besoin. Puis avec son doudou, elle arrête pas de trifouiller ce doudou, de le lever, de le frotter. Oh, je suis là, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Elle est possédée, cette enfant. Putain, un petit coup de whisky avant le dodo et c'est réglé. Elle aura plus mal et plus. Ouais, déjà le bib, on essaye de lui arrêter le bib, mais elle veut pas. L'autre jour, elle en voulait deux. Je lui ai dit non, t'as qu'un bib et qu'un seul bib. Non, mais ça va pas. Elle est aussi nerveuse que sa mère, je crois. Faut pas oublier que, ouais, elle était dans mon ventre en plein Covid et tout. Hein. Tu sais, elle est née. C'était plein Covid. Hein, c'est. Je pense qu'ils vont être traumatisés, ces gosses. Ok, Mélo. Après le bib, moi, ils l'ont eu le matin jusqu'à 4 ans. Non, moi, ils boivent pas le matin. Hein. Moi, ils sont pas laids, mais pas laids du tout. C'est blé d'idées, je. Elle va tremper ses biscuits dans le lait, basta, mais c'est. Voilà. Ils veulent pas, même les céréales, ils vont manger les céréales, mais le lait, il va rester dans le bol, hein. Le soir, elle a un bib, ouais. Bib de blé d'idée, tous les soirs, 250 ml. Voilà. Liam, lui, il a été sevré parce qu'il y a eu un moment où l'usine, ils avaient arrêté de produire. Il y avait un souci sur les machines ou je sais plus quoi. Du coup, il n'y en avait plus du tout dans tous les magasins, il n'y en avait plus. Du coup, lui, il a été sevré comme ça. Je lui donnais
Une gourde de yaourt, je me souviens, je lui donnais un truc lacté quand même le soir. Mais voilà. Il a jamais été. Ils ont jamais réussi à les passer à du lait, à du lait de vache. J'ai jamais réussi. Ils en ont jamais voulu. Les Nesquik, les machins. J'ai si con, chaud, froid, machin. Ça n'a jamais marché. Pourquoi Maneskin, on l'entend encore alors qu'on vient de l'entendre? L'aléatoire est où, s'il vous plaît? Louette. Bon, on va le laisser quand même parce qu'on aime bien. Moi, je vais m'augmenter mon son. Ah non, je suis à fond. Donc, non. Je vais pas augmenter le son, sinon vous allez m'entendre après. Bon, est-ce qu'on avance un petit peu? Faudrait. Il fait tout gris aujourd'hui, c'est. Oh. Puis demain, il a un plateau à plus de 30 minutes là. Oh. J'espère que la petite, elle va pas. Hein, dans la voiture, parce que. Ah, il y a. Je sais plus comment. C'est Simone. Et. Je sais plus comment je l'ai appelée, la petite. La petite boule là. C'est Josiane? Je sais plus comment je l'ai appelée, mais elle est pas contente parce qu'elle a faim. Attends, on va donner à manger aux petites bêtes quand même. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur donner à manger là? Un tacos, tu vois, pour commencer. J'ai pas envie de démote. C'est Janine. Voilà, c'est Simone et Janine. C'est Janine. Un XP, waouh. Voilà, super. Du coup, elle va arrêter de tirer la tronche? C'est bon, t'as le sourire, Janine? Bah voilà, elle est contente. Super. Par contre, je fais pas de baston aujourd'hui parce que j'en ai marre. J'en ai marre que ce jeu ne m'aime pas. Voilà, il me fout la honte à chaque fois. Par contre, je me dis, si je fais le gesso noir, là, je l'ai pas fait, quoi. Ça va faire bizarre, non? Moi, oh, j'aime pas trop. Je trouve j'ai bâclé. Je vais vite et. Je sais pas. Là, je l'avais fait avec le Brutfener, si je me souviens bien. Putain, j'ai froid. J'ai froid, j'ai chaud, j'en ai marre. Je suis vieille, c'est la ménopause peut-être. On sait pas. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Bah, sans, c'est joli. Ouais, bah ouais, c'est pour ça. Mais là, si je fais, si je mets du gesso. Emeline, elle est pas trop relou, là, avec ses 17 ans qui approchent, là? Bon. Needs a pomade. Bah, mais pas, c'est joli comme ça. Non, elle est contente. Ok. Bah, je sais pas. Off. Je sais pas. Ça va faire bizarre, tout blanc. Qu'il y a même. Sais pas. Je vais peut-être vous redescendre parce que là, vous êtes très très haut. Mais c'est le seul moyen d'avoir un minimum de. Voilà. J'ai filmé quelques vidéos ce matin. Mais. J'ai plus glandé qu'autre chose. J'avoue, j'ai fait ma vaisselle et après, j'ai écouté un peu de musique. Thank you. Coucou Dino! Remets-le. Elle approche la majorité, elle sait pas ce qui l'attend. Je la laisse rêver. Après, elle reverra. Ouais. In your eyes. Ouais, t'es encore un peu innocente à cet âge-là. Ouais. On a 17 ans. Ouais. Kikou, Cassie, merci pour la momie, hein. Voilà, je te remercie. Est-ce que je te banne tout de suite ou j'attends un petit peu, je te laisse le temps de t'asseoir, je sais pas. Ah, ça y est, Kalina. Kalina va fauter, ça va, il est mignon le deuxième. Ça peut donner quelque chose de potable. Ça va! Voilà, merci Kalina. Tu bannes pas Cassinette. Bah écoute, t'as vu, elle a dit que j'étais une momie. Ah, la momie. D'accord. Je le prends pour moi. Vous avez vu comment je suis? C'est pas bien, ça. C'est pas bien. Home. La copulation était pour moi. Ah, bah, trop tard. C'est Kalina, elle. Hop, 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 elle. Mais il n'y en a qu'une par live. Puis là, ouais, il n'y en aura pas eu hier. Je suis désolée, Cassie. Attention. Bravo! Dino a pris un crédit, je sais plus trop à quoi ça sert ça. Je crois que tu peux la nou le nourrir et tout. Je sais plus trop à quoi ça sert. Si jamais tu comprends, tu m'expliqueras, Dino.
Battez-vous. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui debout? J'ai envoyé des vidéos à Cassie ce matin. Je crois que le crédit, c'est pour qu'elle ait de l'argent. Qui ça qui a de l'argent? Mais je sais pas si elle peut s'acheter le même. Elle se prépare pour demain. Toujours dans un état. Rien. Nuancier, bah oui, nuancier, nuancier, nuancier. Nuancier un jour, nuancier toujours. Ça va, elle est mignonne. Mais oui, là, l'histoire du crédit, va falloir que je demande au développeur ce que c'est. Parce que j'ai pas. Ah non, non. Attends, faut que je. J'ai essayé ça hier soir, mais ça n'a pas marché. T'as déjà fini? J'ai reçu mes chromaflots hier et j'ai fait les nuanciers hier. Non mais t'es trop rapide, Kalina. Du coup là, t'es allée chercher quoi? Parce que Lina. Kalina? Lina. Je te renomme moi. Hop hop hop, on y va. Kalina, elle a. Elle a craqué, Kalina. Elle a acheté un livre. Eh bah. Alors qu'elle a reçu ses chromaflots hier. Hein? Non mais. Non mais. T'as pris quoi comme livre? Faut que je te mette la musique quand même. Mes pauvres. Sève et peau bien. Si elle vient peau, c'est normal. Ok. Elle cache des trucs. Qu'est-ce qu'elle aurait pu acheter, Kalina? Coucou Laurie! Moi, c'est le derrière qu'il faut que je mette dans ma wish. J'ai pris le Rita de. Ah oui, c'est vrai! Il y a un Alice. Et un Disney. Un Alice. Un. Comme ça que t'as trouvé sur Amazon. Et un Disney. Ouais, le 4 saisons, là, le. Je sais pas comment il s'appelle, de toute façon, c'est un. Alors. Je suis bien. Voilà. Je suis bien. Ah bah il est. Je suis con, il est dans ma. Dans ma pack. Oui, je sais que c'est Cassie. Putain, j'ai mon. Je sais pas si vous entendez. Fais chier. Hop, c'est celui-là qu'elle a pris. Où t'as les 4 saisons? Ça, c'est un bestouf. J'aimerais savoir pourquoi sur le téléphone, la batterie s'en va à toute vitesse alors que. Sur une tablette, il n'y a pas de problème. Bah après, ça dépend. C'est quoi comme marque ton téléphone? Chic Doudou, lui, là, son téléphone, pendant une semaine, il lui a fait croire qu'il était comme neuf. Sa batterie, elle était repartie. Pumpel up, il pouvait les regarder vachement haut toute la journée. Et là, d'un coup, poup, c'est redevenu. Je te l'ai envoyé via Insta, le Alice. Ouais, celui-là. Doudou fait une overdose de yaourt aux fruits. Tous les midis, il mange la même chose, il n'en peut plus. Ah, Escape to Wonderland. Je sais pas ce que ça donne, ça. Je sais pas si vous voyez. Mon téléphone est toujours en économie d'énergie. Du coup, bah, toutes les 2 minutes, il s'éteint. Oh, c'est relou. Mais.
Hop. Oui, ça regroupe celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc le été, automne, hiver, printemps, j'allais oublier. Je suis ton grand Chipolata, oui, Chipolatazette. Chipolatatazette. Tata Nénette aussi. Voilà. Je l'écoutais ce matin en faisant la faisselle. La faisselle. C'était plus agréable. J'écoutais le mulet. Voilà, le mulet. J'adore le clip. Voilà. Et j'aime bien à la fin, il dit, allez tous vous faire emmuler. Voilà. J'adore. Voilà. J'adore. Voilà. Théo, si tu passes par là, cœur sur toi. Love you. Very much. Coucou Caldéorn, comment ça va? J'ai fini deux colos dans le boule de poil. Pour vous, savez quoi? Vous savez qui? Je rajoute les S parce qu'il n'y en a pas. Là, j'ai fait un troisième truc. Mais je ne sais pas si le vernis. Si je le vernis, parce que je ne sais pas si ça va pas faire brillant. C'est quoi ton vernis? Moi, j'en ai un. J'en ai fait. J'en ai protégé un une fois. Parce que j'avais mis des paillettes libres et tout. Mais c'est horrible à faire ça. Ça pue. En fait, je l'aime bien, mat. Mais je pense que du brillant, ça serait bien pour le protéger. Oui, mais est-ce que les couleurs vont pas virer en dessous? Ma musique Andorre. D'accord. Ok. Tu veux du chipolata, toi? Ouais, vivement pour toi, pas pour moi, parce que moi le week-end c'est pas repos. C'est de la peinture acrylique? Si t'en mets, je me barre. Mais lol, c'est quoi ces menaces? Et je mets du thé au lavabo si je veux, c'est mon live, madame. D'accord, vous me prenez comme je suis, ok? Non mais oh, c'est quoi ces menaces? On fait pas de menaces sur mon live, c'est moche. Désolée, l'homme me parlait en même temps. Par rapport à tes achats, il dit que c'est pas bien. Mais attention, hein. Attention, Taz. Ici, c'est venez comme vous êtes, hein. C'est mieux que McDo. Vous mangez pas froid ici. La caisse automatique, il a rien de fou. Il dit rien de fou. Non, ça va dans celle-là. Mais je pense que c'était un partenariat avec Lidl, je crois. Me semble-t-il. Parce qu'il reçoit des petits colis Lidl de temps en temps. Encore une qu'un colis. Avec tous tes livres là? Oh là 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 là, ça va feuilleter, ça va feuilleter. Voilà. Taz a dit que Théo était nul, hein. C'est ça, hein? Oui, je colo, ouais. C'est bête un mouton. Deux moutons. C'est bébête deux moutons. Il y en a qui s'endorment, il paraît. Qu'est-ce que je peux mettre? Je sais pas. Je peux pas mettre de Shake It Off parce que je vais me faire ban par Mélo. Comment je peux enlever ça? Ça. My heart goes. Sorry, j'ai super mal dormi avec moi. Bah, je me doute. Oui, je vais colo. Par contre, j'ai rajouté une commande pour Cassie ici présente. Donc, vous avez le point d'exclamation pété avec l'accent, s'il vous plaît. Voilà. Si jamais. Comme je suis en pleine crise de. Elle se sent. Lol.
Ben, j'espère bien que tu m'aimes que quand même. Non mais. Attends, attends, attends. Je vais le remettre après. C'est chiant, hein, le fait que la musique soit pas sur le. Je peux pas. Non, c'est pas pété comme. Oh mais non, mais Taz! Mais non, mais Taz, j'ai dit qu'il y avait les accents et tout, et toi tu me mets. Pour moi, péter comme ça, c'est un point. Putain, c'est pas possible. Non, le verbe péter. Mais pourquoi? Mais c'est pas possible. Eh ben, il met beaucoup de temps, surtout quand ce prout. Ah, me dites pas merci, hein. Je suis sûre qu'il y en a qui vous pétez là. Ça marche pas, t'es aussi nul que moi, t'en fais pas, on est fait pour être ensemble. Ouais. De rien, Cassie. C'est bon maintenant, ça suffit. Merci. Il y en a qui regardent L'amour est dans le pré là où je suis toute seule là cette année. Vous m'avez abandonné lâchement. Voilà. Il n'y a plus que moi qui regarde. Moi et mon fils. Tu as pas mis le cul qui a une reine. Non, j'ai pas mis celle-là encore. Oui. Mais t'as spoilé le truc du coup. Hot girls. Tu regardes pas depuis longtemps? T'as repris depuis le début ou t'as repris là où. Où là t'es à jour? T'as pas vu les premiers quoi? T'as pas vu les speed dating? Coucou, une petite ange. Da-di-da-da-di-da. Tout, c'est le ton qu'il faut. Tout. Oui, c'est vrai, mais. Je regarde pas, je te dis. Ah! Ah, tu regardes pas depuis longtemps. Oh. Voilà. Désolée. Sorry. Sorry. Je lis ce que j'ai envie de lire, en fait. Voilà. Du coup, vous m'avez tout abandonné. Personne qui le regarde, je peux parler avec personne, de l'amour est dans le pré. Non, non, je ne veux pas prendre Katie. Non, Katie, je ne te prends pas pour épouse. Qu'est-ce que je voulais écouter? La dernière de David Guetta, là. Oui, Cassie. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Putain. C'est pas ça. C'est celle-ci. Ah, désolée, je t'ai coupé dans ton truc là. Du coup, le fond, je sais pas. Parce que j'aurais voulu faire quand même un fond un peu noir, violacé, ou je sais pas. Mais ou un fond noir, mais avec un iridescent. Il y avait un bulldog fan du générique de L'amour est dans le pré. T'avais un bulldog, lol. J'étais en train de me dire que j'avais plus du tout de crédit chez toi et j'étais en train de me faire un coup de flip, genre on m'a volé tous mes crédits alors qu'en fait. Bah oui, c'est l'autre compte. Vas-y, tu vas faire un XP aussi avec le tacos ou pas?
Je lui ai donné un tacos tout à l'heure, il m'a fait qu'un XP, quoi. Mais franchement, il me... C'est quoi ça? Cette discrimination entre vous et moi, là, sur cette application, là? Je vais le prendre mal, hein. Je peux jamais gagner, je te donne à manger, c'est qu'un XP. Mais sérieux? Non mais on est désavantagé parce qu'on est le streamer ou... Bah non, parce que j'ai la loose chez Mélo aussi. Amy, c'est Cassie. D'accord? C'est juste qu'elle est avec son téléphone. Donc quand elle est sur son téléphone, elle s'appelle Amy. Et quand elle est sur sa tablette, elle s'appelle Cassie. Voilà. C'est vrai, ça doit être compliqué pour toi de faire le flip dans ta tête, Taz. Excuse-la. Oh my darling. Du coup, demain après-midi, je suis encore pas chez moi, quoi. Je suis en train de me dire. Et j'ai toujours pas fait de montage d'avance. Bah non. Et les semaines avancent tellement vite en même temps. Puis là, cette semaine, ouais, j'ai vu que j'avais pas mal de rendez-vous. On m'en love, on m'en love. La semaine prochaine, mercredi, anniversaire, encore. C'est presque ça, mais c'est l'inverse. Non, mais tu vas y arriver. C'est la table du... Ah, c'est la table du travail, je peux pas mettre mon compte dessus. Ok. La table. Je suis pas sûre que c'était table du travail. Enfin, Rrrr. Ouais, encore d'anniversaire mercredi. J'arrête pas toutes les semaines. Ça va s'arrêter quand? Il faut que j'aille prévoir celui de Liam parce qu'on va arriver à la date et puis bah, il n'y aura pas eu de réservation de fête. Tablette, voilà. Moi aussi, semaine pro anniversaire Méline, j'ai beaucoup de cadeaux à préparer. Ouais. Et puis Liam qui me dit, ah, c'est bientôt mon anniversaire et c'est bientôt l'anniversaire à Bella. Hein. T'oublies pas, maman, hein, c'est le 19 novembre. Hein. Je suis là, ouais, c'est l'anniversaire de Taz aussi. 19 novembre. Par contre, on va pas l'écouter en boucle, s'il vous plaît, YouTube Musique. Merci. On l'aime bien, mais il faut pas non plus. Hein? Voilà, merci. Coucou Cheryl! J'ai ma chef dans le bureau, du coup, pas de son. Ah! Oui, ton anniv, wesh. J'ai commencé à préparer la petite enveloppe pour. Pour Fifine, mais il faut que j'aille en ville. Faut que j'aille en ville. Comme ça, je le posterai directement de la poste là-bas aussi, je me dis. J'irai lundi. C'est pas fermé, hein. Le 19 novembre, c'est l'anniversaire de Bella. C'est fictif, hein, parce qu'on sait pas quand elle est née, mais Liam a décidé que ça serait le 19 novembre. Et Taz, bien entendu, c'est son troisième anniversaire de l'année, le 19 novembre. Voilà. Et donc, si c'est celui de ta mère, eh ben, écoute, on lui fêtera son anniversaire. Et oh. Et tout oh. Liam a décidé que. Fallait un anniversaire à Bella, donc c'est voilà. Je sais pas quel âge elle va avoir. Et aussi avant celui de Vel et avant celui de Sève. Ouais. Du coup, Bella et Scorpion, ça explique tout. Oh, what? Oh, punaise. J'ai mon nez qui me gratte. Enfin, le bout de mon nez. Yes. Parce que j'ai les bébés cheveux qui tombent dessus. Vous voyez? Puis ça chatouille. Ah oui, il a plein de dates d'anniversaire. Taz. Elle est née plusieurs fois, cette femme. Ah, il m'énerve mon nez. Je vais le couper, je crois. Tatou!
Là, il y a eu un attentat à Arras, là, pas loin, dans une école, encore un fiché S, voilà, qui allait poignarder dans un lycée. Enfin, j'ai plus. Enfin, bref. C'est pour ça qu'elle te pique. C'est la façon des scorpions de dire qu'il aime les gens. Ouais, non, mais elle m'aime pas. Alors. C'est hier soir, du coup, elle a vu que je suis allée me coucher avec Jade. Bah, elle s'est pointée. Mais elle n'est pas restée longtemps. Hein. Lycée, gamin de 20 ans, ouais, qui tue d'un enseignant. Ouais. Ah, mais c'est ouf. Puis, j'ai vu aussi, il y a un acteur de Plus belle la vie qu'ils ont retrouvé mort. Mais c'est bizarre, cette histoire. Il a fait un délit. Je sais plus si c'était un délit. Ah, mais c'est pas possible, on l'a déjà entendu cette chanson. Ça va aller, on se calme, on passe à autre chose, s'il vous plaît, les gens. Ah, mais pourquoi ça c'est. Non, je veux pas de ça. Toi aussi, on t'a entendu, s'il te plaît. Toi aussi, on t'a entendu, mais il n'y a pas que deux chansons dans cette playlist. C'est quoi cette arnaque? C'est ouf. Non, mais YouTube, c'est pas toi qui décides. Ma mère a récupéré la voiture avec. Avant, avec mon beau-père. Ils sont arrivés entiers au garage. On verra maintenant si j'aurais pu mourir ou pas. Ouais. Hier soir, la police nous a enfermés. J'aurais serré Publis pour rechercher quelqu'un. Il y a eu un. Soi-disant qu'il aurait boulé une nana il n'y a pas très longtemps. Et puis là, ils l'ont retrouvé mort. Mais le corps est à peine. Reconnaissable, donc c'est bizarre. S'il s'est suicidé, comment il a fait pour qu'on puisse pas. Enfin, c'est pas encore confirmé, c'est lui. Bah là, j'ai vu sur public, il y a tout le public gossip machin, ils disent tous que c'est lui. Hein. L'Europe arrive à nous supprimer les paillettes en un mois et ils sont incapables de prendre des lois. Non, mais c'est. C'est ouf! Il y a beaucoup de menaces terroristes contre les lycées français. C'est ouf. On est vraiment dans une époque, un monde, mais c'est ouf. Tu vois le pognon qu'ils dépensent, par exemple, pour là, le Paris 2024, là, mais. Mettez l'argent ailleurs, on s'en fout de. Enfin, ils peuvent très bien. Il y a déjà des structures qui existent. Pourquoi refaire à chaque fois à neuf et puis leur réforme de machin, tout ça pour. Pognon, 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 c'est ouf. Ouais. Ouais. Il fait moche aujourd'hui. Ils sont souvent en alerte ces derniers temps. Nian. Vous avez regardé la vidéo pour le flip-frou, du truc des 300 coloriages là? J'ai pas regardé. Ah voilà. Ta-ta-tach. Nul. Et ben voilà, ça en fera un en moins. Tatatch. Il a mis que les mi. Il présente que les mystères? Ah non, mais moi je veux voir. Ah non, 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 c'est pas normal. Ah non, 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 c'est pas une présentation. Rugby, foot et JO, c'est juste pour nous faire oublier que notre vie. On a leur. Ouais. Ouais. Ah, il fait une seconde vidéo. Oh. Bah, il a besoin de. Là, quoi. Moi, je veux le livre dans son intégralité, sinon je vois pas le. Parce que tout doit être mélangé en plus. C'est ce qu'ont fait les Romains, ouais. Bah écoute, je regarderai pour. Ce qui veut dire que je vais sûrement aller à Martel lundi. Martel qui dit d'Albe. Non, je suis sage. Toute façon, ils font pas les néo. Il me semble pas qu'ils ont les néocolores.
tout est mélangé selon une catégorie. Ouais. Ça doit être un sacré beau bordel. Franchement, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent, ils ont eu là. Parce que les marque-pages, je sais pas trop comment ils vont mettre ça. Puis en plus, c'est des marque-pages. Je vois pas l'intérêt de mettre ça dans un bouquin, parce que les marque-pages, c'est l'intérêt d'avoir un marque-page, quoi. Je vais pas avancer aujourd'hui, je le sens. J'arrive pas à me concentrer sur une partie, je fais tout et son contraire là. Ça va être compliqué. Complicados del Chicos. Pour les Necolor 2, prends l'adresse que je t'ai donnée, ils sont moins chers. Ok. I don't care. Okay. Et du coup, la semaine prochaine, je serai pas là mardi parce que bah sortie scolaire. Voilà. Je vais. C'est la semaine du goût. Voilà. On va kiffer. Donc mardi, je sais plus ce que je vais faire, mais je suis dans Amiens. Je sais plus pourquoi faire, mais je suis dans Amiens. Voilà. Avec les enfants. Si, on va aller sur l'île aux fruits. Me demandez pas ce que c'est, j'en sais Ça va faire combien d'années que je suis ici? 13 ans? Et je ne sais pas ce que c'est que l'île aux fruits. Enfin, je sais qu'on va ramener des fruits et légumes, mais je connais pas. Et jeudi matin, du coup, nous allons faire de la galette de citrouille. Voilà. Votre acteur, c'est pas quelqu'un de demain nous appartient, mais quel... Oui, c'est Plus belle la vie, ouais. Mais le Marwan est décédé. Bah, ça, il paraîtrait que ça serait lui. Mais corps difficile à reconnaître. Voilà. Merci Kalina pour le lien. Il était dans Plus belle la vie, pourtant il est jeune quoi. Mais à ce qui paraît, oui, il aurait percuté quelqu'un en voiture il n'y a pas très longtemps, donc ça a dû le choquer quoi. Puis après, on ne sait pas trop ce qui se passe dans sa vie perso non plus, parce qu'à ce qui paraît, il avait déjà perdu son frère ou. Ah, j'avais écrit là. Ne fait... Remplissez jamais vos documents administratifs sur vos colos. Voilà, ne faites pas comme moi. Le mec s'est pendu puis brûlé? Bah oui. Le me... Oui, depuis le 3 août, il le cherche ou un truc comme ça. Donc c'est chelou quand même. Ça m'a plus l'air d'être un règlement de compte que. Oui, ils ont retrouvé sa voiture un peu plus loin, mais je sais pas si c'est chelou. Ou le gars, il a. Enfin, c'est chaud quand même. T'as mis le feu, tu mets le feu, et tu te pends au-dessus du feu. Faut quand même avoir réfléchi le truc. Pourquoi. Enfin. Double peine quand même là. Ouais, je me souviens quand je regardais, il était dedans. Mais j'ai pas regardé beaucoup de saisons. Bah, c'est dans des maisons abandonnées et tout. Tu sais, ça doit être vachement reculé. Ça doit pas être. Je sais pas. C'est plus genre un squat qu'autre chose, hein, je pense. C'est chelou. Se passe des choses cheloues. Je
Sinon, bonne nouvelle, Caroline Receveur a vaincu son cancer. Voilà. On passe du tout au tout, là. Oui, il s'est enfui, il le recherche pour l'inculper sûrement. Alors, c'est sûrement pas lui, il a laissé ses papiers pour faire croire. Bravo, Taz. Tu cherchais après perdu. Tu l'avais pas vu. Ouais, c'est chelou cette affaire. Mom and a sister and a job and a broke ass car. It's a check off. J'espère qu'il va pas faire trop moche demain. Mes hommes, ils ont rendez-vous coiffeur le matin. Alors j'emmène de quoi occuper Jade l'après-midi, mais si on fait comme la semaine passée, qu'on n'arrête pas de changer de terrain à chaque fois, ça va être. Bref, je suis déjà en joie d'aller au foot. Il a intérêt à faire des progrès, hein. 10 minutes à chercher. Et il a pas bien réussi, il est doué avec notre police qui est pas douée et flemmard. Ouais. Ouais. Ah, tu as des trucs chelous quand même. Oh. J'aime bien regarder les faits entrer l'accusé en réact avec Dolly. D'ailleurs, hier soir, j'ai zappé. Puis de toute façon, j'aurais pas pu. Parce que ça a été vite. Mon sort a été vite jeté hein, hier soir. J'ai essayé de me poser, mais non. Donc, faudrait que je regarde ça. Peut-être en rentrant de l'école, s'ils sont sages. Eh bien, si. Moi je dis c'est Dracofeu, il est venu, il a tout cramé, il a essayé de cacher son œuvre, fin d'histoire. Ouais. Liam, il est content, il a reçu ses cartes là de AliExpress. Il a eu deux Dracofeu. Il est trop content. Elles sont trop belles. Mais il m'a dit c'est bizarre celle de Lily, il y a plus de 500 points quand même. Je sais pas où elle les a eues. Hein. Encore hier soir, on lui a demandé. Non, mais c'est défaut, ça. T'emballe pas, Amy. Enfin, Cassie, t'emballe pas. C'est défaut. Je lui ai commandé un pack de 80 cartes. Elles sont. Elles ont le dos doré, argenté et noir brillante. Enfin. Ça sent le fake, hein. À plein nez. Bah oui, les tiennes aussi, elles sont fausses. C'est ce que je lui dis. Mais ah non, c'est des vrais que Lily est là. Je fais non. Hier soir, on essayait de le chambrer. On lui fait sinon, il y a pas une fille qui est mignonne dans ta classe? Parce que sur son cahier, c'est écrit. Il y a son nom, Liam. Puis en bas, il y a écrit au crayon bille. C'est écrit Charline. On lui dit c'est qui Charline? On n'arrête pas de lui. Lui demander, elle est mignonne? Non. Il n'y a jamais plus belle que Lily pour lui. Il n'y a que Lily qui compte. Voilà. Voilà. Il est très fidèle. Non, il est très fidèle. Charline, il s'en fout. Voilà. Il y a. Non. Je lui ai demandé, Marie est mignonne? Non. Non, il n'y a que Lily qui trouve grâce à ses yeux. Donc, voilà. Un jour, on les mariera. Écoute. Ah, mais on peut pas faire à l'église, hein. Je les ai pas baptisés, mes enfants. Charline, tu t'y caches. Ah ouais, Charline, c'est dans Stephen King. C'est Carrie? Elle est pyrotélékinésiste.
Eh ben, dis donc. Sacré avenir professionnel. C'est peut-être elle, non? Pyro, c'est pas elle qui a... Eh. Tu peux kill facile avec ça, hein? Non, Fire, je sais plus. Ah. Ça me dit rien. Du coup, ce matin, en rentrant de l'école, je tombe sur la femme de ménage et une qui habite tout en haut. On a toujours notre fuite. Je sais pas si je vous en avais parlé. Et le téléphone. Le téléfilm, c'était Charlie. Ça me dit rien. On a toujours une fuite. Le bâtiment est neuf, hein. Mais on a déjà à l'entrée, quand on rentre, on a déjà un gros trou au plafond. Et ça coule. Mais ils n'arrivent pas à trouver d'où ça vient. Mais en attendant, ça coule. Ça coule. Ça coule. La semaine dernière, il y a eu. Ils sont venus faire une enquête pour savoir si on était satisfait, si tout fonctionnait et tout. Et du coup, le gars, je lui dis, sinon au niveau de la fuite, il fait, ouais, on a trouvé, vous inquiétez pas, ça va être réglé. Ça coule. Gars. Et ils pensent que ça vient de chez nous. Sauf que bah ils ont beau trifouiller notre compteur, ça continue de couler et bah, ça coule même quand nous on tire pas d'eau quoi. Donc si les gens qui ne sont pas baptisés ne viennent plus à l'église pour se marier, ils n'ont plus personne. Ouais. Souvent les fuites que les appartements neufs, c'est au niveau des douches parce que c'est encastré et donc les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des fuites d'eau. Bah nous, c'est baignoire. Mais non, mais ça a été monté beaucoup trop vite. Il y a une fuite au niveau de notre balcon. Ça, enfin quand il pleut, tout ça, ça s'infiltre et ça tombe dans le salon de mes voisins en dessous. Celle du dessus, elle nous a dit. Elle est tout en mansarde. Mais du coup, c'est de la tôle. Cet été, ils cuisaient. Mais quand on a visité, on n'a pas visité notre appartement, on a visité un logement témoin et qui n'a rien à voir avec notre logement. Donc, tu vois, on a signé des bails et on n'a même pas. Mais ouais, elle me dit, elle est aussi emmerdée. Elle a un radiateur à côté de sa gazinière. Ils ont fait nimp. Et dans le bâtiment de l'autre côté, ils ont mis les radiateurs à l'envers. Au niveau du Velux, ils peuvent pas purger les radiateurs. Enfin, il y a encore des logements qui sont vacants parce qu'à mon avis, il y a des vices de procédure dedans, je pense. Souvent, les fuites dans les. Ouais, ça tu me. Ouais. Non, mais c'est chelou. C'est tout neuf, mais non, il s'est monté vachement vite. Et plein de vis de. Je vois les peintures, c'est pas. Faut regarder de face, faut pas regarder de côté. Sinon, tu vois qu'il y a des défauts de partout. J'ai ma fenêtre de salon. Elle est grosse rayure. Mais c'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi. T'as beau les appeler, ils s'en foutent. On avait des trucs comme ça dans un bâtiment des 60, des 70s. Tout est fait. Oui, c'est ça, tout est fait à l'arrache, trop vite. Mais en attendant, bah, ils t'encaissent ton. Les loyers, les encaissent, hein. Puis ils viennent, ouin, ouin. Tu reçois des menaces si tu remplis pas les enquêtes de satisfaction. Allô? La. Ils attendent les assurances quand ils les appellent. Ouais. Ben, j'avais déjà eu une fuite.
Non, un bouchon dans la salle de bain, et j'ai compris, j'ai entendu ce matin que j'étais pas la seule, mais ils ont pas mis les bons flexibles, les bons trucs en fait. Ils ont le l'eau, elle doit faire ça et remonter d'un coup. Enfin, ils auraient dû mettre plusieurs branchements pour pas que, parce que du coup, bah, ça bloque à un certain endroit. Alors moi, avec mes cheveux et tout, puis le plombier qui est venu, c'était un incompétent. Mais alors. Qui t'appelle, tu sais. Ouais, je repasserai, ouais. Coucou Steph, comment ça va? La 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 la. La 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 la. C'est là que je me dis, mais pourquoi? Pourquoi je me suis lancée dans ce colo? Pourquoi j'ai suivi Taz? Je ne sais pas. Un moment d'égarement, un moment de. J'avais la flemme sûrement de choisir un colo. Ça va être galère un peu avec mon fond. Mais ça va. T'es sur quel colo, Steph? On fait Atlantique. Ouais. Ouais. J'ai pas retouché. Après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté une assoce de locataires, quatre bâtiments de la même rue, tout le monde a signé la pétition, ils ont fini par nous changer les chaudières. Ah. Envoie-moi ton colo chaponné, wesh, 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 wesh. Tu sais, Hermione, là. Hermione? Colo japonais, Hermione? What? Colo japonais, Hermione. T'as fait un coloriage pour Coloria? Non. Je n'ai aucun livre de Coloria. Je suis pas assez fémousse pour ça. Ils m'ont jamais rien envoyé. C'est celui-là que tu parles. Coloria, faut être fémousse pour avoir des trucs de chez Coloria, non? Et. Laisse-moi. Non, moi je fais un coloriage. Ah, tu vois, t'es fémousse. Ah, moi je suis pas fémousse, hein. Il me contacte pas, Coloria. De toute façon, c'est pas ma came. Si jamais vous passez par là, Coloria. Merci, mais non. C'est celui-là ou pas? Rogue, je l'ai renommé Ron. Ah, la fille japonaise, tu la renommes. Ah, d'accord, faut te suivre, hein. Elle est sans mousse, Vel. Sans mousse? Je suis pas fée mousse, je suis sans mousse, ouais, c'est ça. Ouais, il n'y a pas de mousse. Mais j'aime bien la mousse dans mon cappuccino. Jamais un escafé si vous passez par là. Du coup, c'est celui-là que tu veux. On a luminosité de merde, mes photos elles sont toujours moches de toute façon, quoi qu'il arrive. Alors attends. Une photo pour Taz. Qu'est-ce qu'on peut mettre au fond pour pas que ça se voie? In ice. True love. True love. Viens voir ma toi. True ooh, so rock-a-bye. Je reviens, je vais ramasser. Ah! Ok. Chacun sa merde, hein. Voilà, moi j'ai dû dormir avec ma fille cette nuit. À toi le vomi. Je te le laisse. Est-ce qu'elle est travers ou est-ce que ça va? Ça rend pas du tout comme c'est censé être. Enfin, je sais pas. C'est chiant. Attends, j'ai ouais deux lumières quand même. Hein. Mais non. Est-ce qu'on met un. Non, c'est quoi ça? AI activé? Appareil photo IA activé, c'est quoi ça? Il va me changer tout, toute ma photo ou comment ça se passe? Ooh, love. Bah, je préfère. Voilà, merci. Ooh.
Toi, t'as rien demandé, c'est eux qui t'ont contacté. Ouais, mais t'es fémousse. Moi, je suis pas fémousse. T'es fémousse. C'est le début de la gloire, là. Alors, attends, elle est ouf. Elle est là, la dame. Don't you cry. Voilà, c'est envoyé, madame. Moi, j'ai pas beaucoup de followers sur Insta. Je poste tout très rarement. C'est soit ça va me prendre et je vais poster beaucoup, et puis après, bah, plus rien pendant. La régularité, c'est pas mon truc. Sur Insta. YouTube, j'arrive à être régulière. YouTube, j'arrive. Enfin, normalement, là, ce week-end, il n'y a rien de prévu encore, mais ça va arriver. When you... C'est envoyé. Hein. J'ai vraiment peur pour demain. Hein. S'il pleut, puis on y va pour rien. Je jure, ça va. Nanda, oh, puis il va pas vouloir courir sous la pluie, ça va être. Oh là là, ça va être mignon. Là, il pleut. Je vais rentrer à la maison. Je ne pas parler. Hier soir, du coup, j'ai essayé de leur lire une histoire dans mon lit et tout. On s'est à peine assis. Elle a regardé en face d'elle, elle a fait. Oh! Pandarou. Allez, bam. Je sais pas où je vais pouvoir cacher ma. Prends un caouet, ouais. Je sais pas comment je vais faire pour planquer ma licorne. Déjà, dès qu'elle traîne à côté de mon bureau, c'est. Oh, un pinceau, maman, pinceau, maman. Je fais non, je t'en ai déjà. T'en as deux dans ta chambre. Eh, c'est bon. Ça, c'est à maman. Chananda. Hop, balai. Shenanda. Faut pas que j'oublie le 3 novembre d'enregistrer le contour. Sinon, je vais m'en vouloir toute ma vie. Vu qu'on n'est pas prêt de l'avoir sur Disney+, hein, voilà, hein, voilà. Il va encore falloir attendre quelques années. Hein. Non, mais. Je vous ai pas fait les vocalises, là. Hein. Je me suis retenue. Pour vos oreilles. Dites-moi merci. Hein. Mais de rien, Mélo. Avec plaisir. Voilà, j'ai eu pitié de vous. Voilà. Je me suis dit, je ne peux pas vous montrer tout mon talent d'un coup comme ça. Non, Cassie, elle n'a pas compris encore. Cassie, c'est un peu comme Taz des fois. Vous trouvez pas? Des fois, elles se ressemblent. Péter, le verbe péter, Cassie.
Allez, tu peux le faire. Le verbe. Allez. C'est pas faute de leur avoir montré. Mais oui. Allez, Cassie. Mets du temps. Merci. Alors, c'est le bordel, hein, les bandages, là, quand même. Franchement, on va pas se le cacher, c'est le bordel. C'est pour ça que Camille Aderuko, voilà, des fois, tu as l'impression, tu te dis, est-ce qu'elle est partie en week-end, elle aussi? Est-ce que elle veut que tu finisses ton illustration ou est-ce que juste elle se. Voilà, juste. Hop, on va faire du flou, c'est flou, c'est flou. On sait pas trop où on est, on sait pas trop ce que c'est. Voilà. Il se démerde. Voilà. Le coloriste se démerde. Voilà. Il imagine ce que c'est, ce qu'il veut. Voilà. Elle est pas forte. Est-ce que je vais pouvoir augmenter le son de ça? Ah bah le prout, lui, il est. Voilà, il est là, le prout. Ça, j'y suis pour rien. Hein. Ah, c'est plus croquis que illustration. C'est ce que je dis. J'ai filmé la présentation de celui-ci ce matin, parce que je me suis. Il est toujours pas sur la chaîne, donc je me suis dit c'est peut-être le moment. Et c'est ce que je dis justement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des moments, c'est plus croquis que illustration finie. Tu te demandes. Voilà. C'est pas clair, il y a des fois. Après, c'est son style, mais voilà quoi. Parce que là, il y a des hachures, mais c'est pas forcément. Voilà. Fa, fa, fire. Pardon. Demain, il y a des lives de prévu. Ben, je sais pas. Moi, c'est sûr que non. Parce que enfin à la maison. Moi oui, sous réserve. Pour rester bien actif sur Insta, voilà. Oh. Hop, hop, hop. Parce que oui, les notifications. Ah, Caldehorn, ce soir. Est-ce que ouais, les notifs, moi c'est pour ça. Je me connecte toujours un peu, je regarde toujours un petit peu qui est là, qui est pas là. Je fais pas confiance aux notifs, mais pas du tout. Voilà, je ne compte même plus sur elle. Je jette toujours un petit œil à Twitch. Oui, les notifs notificatives, on adore. Elles sont très utiles. Elles arrivent en temps et en heure, surtout. Voilà. C'est ouf. C'est vraiment bizarre qu'ils n'arrivent pas à. Peut-être qu'ils s'en foutent aussi. Mais je pense que non, c'est pas cool. Je sais pas si c'est pareil pour les grosses chaînes. Je pense pas. Je sais pas si on est tous logés à la même enseigne chez Twitch. Non, tout là matin, j'ai la tête dans le cul. D'accord. Ok. Ok, Cassie. Ça va aller. Tu vas reprendre ta retraite. Ah non, hein, vous arrêtez, hein.
C'est bon, il y a déjà Cassie en moins, on va arrêter là, hein, les départs en retraite, on arrête là maintenant. Je pourrais faire ça pendant ton live, remarque, comme ça je serai obligée de me lever pour te regarder tout en virant mon bureau. Je pense au début d'après-midi. Ah, tu penses que tu arriveras à virer tout ce que tu as sur ton bureau? Da-di-da, da-di-da. Attention, attention. Voilà. C'est très bien rangé chez moi. Voilà. Mon bureau est très bureautique. Voilà. Il est très bien agencé. C'est... Waouh. Je l'avais rangé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ça n'a pas duré 2 secondes. Si. Mais j'ai quand même plus d'espace qu'avant. Là, j'arrive quand même à avoir la partie face à moi, le bureau en face, où j'ai de la place. Avant, j'avais que un petit triangle. Voilà, j'avais juste le devant de mon écran pour colo. Je progresse. Mais ça, c'est parce qu'il y a les lives, sinon... voilà. C'est comme ça. Hot girls, la-di-da, la-di-da. Quand je pense à toutes celles qui ont une pièce dédiée à leur passion. Voilà. Est-ce que je les envie? Oui et non, parce que je me dis j'aurai une pièce entière, mais le massacre. Le massacre. Il y en aurait partout. Et ça serait autant le bordel. Non. Non, ce ne serait pas sérieux. Comme quoi, que je dois faire ça depuis au moins 3. Voilà. Ça va nous prendre, voilà. Moi, ça me prend comme ça, une envie. Hop, 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 je vais ranger. Mais voilà, dès que je l'utilise, c'est mort. Puis bon, il y en a qui en rajoutent. Hein. J'ai mon fils qui m'a ramené ses ballons. Il est prêt pour son anniversaire. Hein. Maman, j'ai trouvé des ballons dans mon avis. Ouais, d'accord. Tu pouvais les laisser dans ta chambre, tu sais. Mon salon, c'est ma chambre et mon bureau. Ouais. Avoir une pièce, oh là là, avec des rangements et tout, des armoires, oh, des bibliothèques tout le long des murs. Ouais, ça pourrait être bien. Je regarde souvent la bibliothèque sans mes prismes. Ouais. Hâte de pouvoir déménager. Bah, j'ai déménagé. Et avant, j'étais dans le salon. Est-ce que j'avais plus de place? Non, ça devait être kiff-kiff. Mais bon, là, ici, les pièces sont plus petites. Donc, là, ma chambre, c'est mal agencée. Mais bon, je peux pas faire autrement avec les prises. Il faut pas que j'y pense parce qu'après, je vais vouloir changer et quand ça vous prend, c'est fini. Elle a déménagé, mais elle a encore plus de bordel. Mais c'est ça. Bah, c'est que tous mes meubles sont pas rentrés en même temps. Tous mes meubles sont pas rentrés dans cet appart, donc. Bang bang. I know you want it. Parce qu'avant, ouais, j'avais un grand. Ma salle de vie était beaucoup plus grande que celle de maintenant. Ma cuisine était à part, enfin c'est vraiment pas pareil donc. Puis bon, avec 2 enfants, voilà, qui croient que ils peuvent jouer partout, que la salle de jeu c'est la maison, c'est complicados.
Mais fallait qu'on déménage. Pouvait pas rester avec Jade dans notre chambre, c'est bon. Non, on dormait dans le salon, on avait laissé notre chambre à Jade. J'oublie vite, hein, n'empêche. Hein? On dormait dans le salon. Punaise. Ça faisait 2 ans et demi qu'on avait fait une demande de logement. Ouais. Bang bang. Ça dépend des enfants introvertis, tu serais tranquille. Liam est introverti, mais il va quand même. Il va aller jouer. Il déborde un peu quand même. Voilà. Et ils ont un petit peu de mal à ranger leurs affaires. Ils sont un peu comme leur mère, tu vois. Cassie, j'allais dire Cassie, es-tu là? On se met d'accord pour un colo dans le. Nounours thérapie pour après? Si oui, tape 3 fois, c'est ça. La grosse gogole, elle est là. J'ai tapé 3 fois. Ouh. Je te montre en MP Instagram. Ouais, on essaye d'en prendre un qui rentre dans le challenge de Didi. Comme ça m'en fera un déjà pour Didi, même si je lui en enverrai encore plusieurs comme là à chaque fois. L'année dernière, j'en avais fait qu'un pour le cocooning. Et je l'aime pas. Le nounours que j'avais fait là. Ça va pas. Je l'ai pas. Maintenant, je l'ai fait dans le livre où je l'avais imprimé. Sinon, il faudra peut-être que je le refasse. Si je l'ai dans le livre. Si j'ai le livre. Ouais, j'en ai 8 dedans pour Didi. Lol. Moquet. Moquet, moquet. Toujours les choses à moitié, Cassie. Hein. Toujours. You better move. You better dance. Et des fois, je l'envie, Cassie. A pas d'enfant. Oh. Mais après, je me dis que ton boulot. Non, je t'envie plus là. J'en ai déjà fini 2 dans le boule de poil. Bon. Le boule de poil, pff, arrête. Le massacre que j'ai fait dedans, je. Faudrait peut-être que j'essaye de le refaire, enfin que quelqu'un me le renvoie et que j'essaye de le l'upgrader. C'est une machine Cassie, ouais. Puis bon, ouais, c'est des petits formats là. C'est pratique pour elle, ça. It's going down. Ça, c'est quoi? Enfin, on voit la bande de derrière là. C'est. On est d'accord, c'est chelou là. C'est le moment, voilà, c'est le moment où je me pose des questions sur mon colo, voilà. Le moment mode d'emploi d'un colo. Ouh, boulot de merde sous terre et en. Enfant, j'ai 2 parents, souvent ils ont des couches. La seule différence avec des enfants, c'est qu'ils se permettent de donner leur avis et que tu peux pas leur dire que c'est là. La. Ouais, d'accord. J'ai sombré, ça y est. Je sombre. C'est le moment où. Pourquoi? C'est le moment où je mets des œillères, c'est ça? Et je colorie à l'aveugle? Démerde-toi. T'as fait comment, toi? Toi, t'as y a vu que du feu, je parie. Toi, t'as
telle une artiste. T'as pas vu qu'il y avait quelque chose de bizarre là? Qu'il y a le trait qui, enfin, qui va dans son crâne, quoi. Enfin, je sais pas. C'est un peu bizarre quand même. Mais bon, oui, toi en tant qu'artiste, t'as pas dû voir. Tu l'as pas senti. Tu l'as ressenti différemment, telle une artiste que tu es. Je me pose beaucoup de questions, hein. J'ai entendu ce que tu as dit. C'est peut-être. C'est petit, ça va vite. Je sais plus ce que j'ai dit. Et là, j'ai peur. Oh, c'est pas Roar. Roar. Ah, bah si, c'est Roar. Bah, Roar, elle va sortir de la playlist parce que j'ai pas envie d'entendre Roar. Il est où le Roar? Il est où? Roar, au revoir. Elle était drôle celle-là, non? Non? Format libre. Plus petit, donc plus rapide à colo. Livre, ouais, libre, ouais, format libre. Une double page, on n'est pas obligé, Cassie. D'accord? Ok. Tu sais, moi, c'est pour me détendre le colo, hein. Attends, je vais faire des Kirby pour la peine. Oh là là, et un tableau. Mais calme-toi. Calme-toi, Cassie. I need you right now. Yeah, I need you right now. Don't let me down. Je pense que je vais repasser les tours avec le stylo paillette parce que bah, il va falloir de la paillette dans le colo et puis pour cacher un peu la misère du truc. Voilà. Il y a Jeannine qui commence à tirer la tronche là en bas. Elle passe ses nerfs sur les illuminations. Oh là là. Oh là, j'ai une journée de merde aujourd'hui. Allez. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Non, pas avec les prismas, arrête. Chut, on est gentil avec les prismas. Chut. I need you right now. Yeah, I need you right now. Don't let me down. Bon, c'est bientôt Noël, les filles. Il va falloir faire votre liste. Et puis mettre tous les prismas que vous voulez voilà, en backup. Parce que c'est le moment de vous les faire offrir vu le prix qu'ils coûtent. Voilà. Cadeau de Noël pour les chéris. Voilà, des prismas color. Martin? Martin? Tu notes, hein, des prismas color en backup pour Fifine. Je suis frustrée. Me down, down, down. Non, petite souris. Et si on n'a pas de chérie, on fait comment? Shadow? Shadow! Maman a... Maman est près de toi. Tu peux lui dire maman. Il n'y aura rien pour toi. Il fallait bouffer. Arrête. Moi, je sais pas si je vais réussir à avoir quelque chose de colo pour Noël. Je ne pense pas. Voilà. Je vais demander la shampouineuse. Hein? Voilà. Il y aura peut-être plus de chance. Mais bon, vu le prix, peut-être qu'il va se rabattre sur des trucs de colo. Peut-être. Tu l'as réveillé, t'es content. Mais ravi. Shadow, mon bébé Shadow. Fais un gros bisou, maman. On s'en trouve un vite fait pour les cadeaux et après on s'enfuit. Moi, je veux les Intense, les Lightfast et les Luminance. Mais Kalina? Et puis... c'est à qui j'ai envoyé la vidéo avec le poisson rouge là. Mais celle-ci, elle m'a. Faudra que je la mette. C'est à Cassie que j'ai envoyé les petits poissons rouges. Non. C'est à qui j'ai envoyé les poissons rouges? C'est aux filles? Oui, Sophie. Mélo, elle l'a vu, elle a même pas liké.
Mais l'eau, tu l'as vu, tu n'as même pas rigolé? Il t'a pas fait rire le petit garçon là qui pleure pour son petit vieil, son poison rouge qui va mourir et que ses copains ils s'en battent les couilles? Attends, je te l'envoie, Cassie. T'as pas regardé? Il y a un vu. Tu m'as mis un vu. Tu m'as mis un vu. Je t'envoie plus de vidéos, puis c'est tout. De toute façon, t'es pas drôle. Shadow. Shadow. Oh mon bébou. Faut que je donne à manger à Janine. Tu dis l'ami qui dit qu'on saoule même quand on n'a rien demandé. Lol. Tu préfères les bulles? Alors, j'aurais rien dû dire et j'aurais dû te claquer un vu. Ah bon? Parce que je viens de l'ouvrir. Mais du coup, ça a mis un vu. C'est ton bureau, ça, Cassie? Je comprends pourquoi tu fais du coulo dans les transports, en fait. Je t'aurais défoncé, mais un petit peu moins. D'accord. Coucou, Serène, ça va mieux? Bah oui, tu comprends. Bah oui. Ah oui. Bah, on est sur un autre level, là. Je déculpabilise grâce à toi. Merci, Cassie. Bisous. Tu m'en as envoyé combien? Oh là, il y a du choix. Non, celui-là, les mims, je l'avais vu. Celui-là aussi, les mims. Celui-là aussi, je l'avais vu, les mims. Attends. Celui-là. Est-ce que je peux rajouter un truc ou pas? Pour qu'on voit que c'est celui-là. Comment je fais? Oui, je suis une noob sur Instagram. Je cherche comment fonctionne l'application des fois. Ah, comme ça. Hop, voilà, j'ai mis un petit cœur, on fera celui-là. Voilà. Cœur sur toi. Tu as pas vu en dessous du bureau? Non, mais on va pas en dessous du bureau, Cassie. Voyons. Moi, c'est mes crayons en dessous du bureau. Voilà, chacun son truc. Mais je me tâte à m'acheter un repose-pied ou quelque chose. Quand même. Parce que j'ai bien les barres, mais c'est pas. Voilà, c'est pas. Ça maintient pas. Ça maintient pas correctement. Moi, je suis la fille qui s'étouffe dans son nounours pour dormir. Sauf que d'habitude, c'est le chat. Mais comme ils sont pas là. Cassie, des fois, tu me fais peur. Moi, au-dessus du bureau, je mets mes jambes. C'est tout. Oui, mais t'as vu la taille de tes jambes. Le repose-pied, c'est la vie. T'as un vieux. T'as un vieux Robert sous le bureau. Caldeon, t'as un vieux Robert. Dans les illustrations que je t'ai envoyées. Attends. Attends. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Ouh. Eh, faut expliquer longtemps, la dame. Mais elle finit par comprendre. J'ai compris. Merci, Cassie. Mais ouais, je mettrais bien un marchepied. J'ai des marchepieds d'IKEA là, mais dès que tu les bouges, ça fait un sale bruit. Non, c'est un vieux Haraps. C'est moins classe. Je préfère Robert, moi. Il va falloir que je taille. T'as compris, mais maintenant tout le monde pense des trucs bizarres. Tu aurais pu montrer l'image. Non? Laissons penser les gens des trucs bizarres. On peut pas tout mâcher le boulot. Voilà. Il faut faire travailler l'imagination de ces gens.
Sur malentendu, ça peut marcher. Merci, Mélo. Bon, qu'est-ce que je fais à sa tête, du coup? C'est vraiment voilà. Du grand n'importe quoi, ce colon. Je tiens à le dire, hein, je me dédouane totalement de ce que je fais. Hein. Je. Voilà. Voilà. Les mains. Je. Là, je sais pas. C'est complicados. C'est flou, c'est. Voilà. Il y a un petit côté, j'ai mis mes doigts où il fallait pas, et maintenant je regarde ce qu'il y a au bout. Ok, Cassie. I want you, baby. Yo, peekaboo. Oui, ma momie. Des malfaits, là, le bout. Je ferme ma gueule, d'ailleurs. Ok. Ok. Don't like, I need you. Come on, dance with me. Dance with me tonight. Follow me tonight. Oh, yeah. J'ai pas envie d'être le soir. Je fais le dodo de qui ce soir? Liam. Normalement. Mais lol. Oh, mais d'ailleurs, j'ai du coup, j'ai dû chercher mon contrat de travail et tout. Il fallait que je cherche. Par rapport à mon contrat de prévoyance machin, chose que je n'ai pas, c'est sûr. Mais je suis sûre, voilà, qu'il te le montre pas parce que comme ça tu sais pas que ça existe. Voilà. Mais j'ai relu mon contrat de travail. Il y a des trucs dedans, mais c'est aberrant. J'ai rangé. Là, c'est ça. Là.
Il y a des trucs, je trouve ça. Il est cependant convenu que cette définition de fonction ne présente pas un caractère limitatif ni exhaustif. Vous pourrez en conséquence être amené à effectuer des tâches annexes ou accessoires, rangement, nettoyage, ce que vous acceptez expressément. Donc t'as signé ton contrat, t'es obligé de dire oui à tout en fait. Dès qu'on te demande un truc, c'est expressément. Pareil pour les horaires de travail, ça m'a fait rire. Vos horaires de travail vous seront communiqués par affichage des plannings sur le tableau de la direction dans un délai de 2 semaines. Je lol. Oui, non exhaustive. Caractère n'a pas un caractère limitatif ni exhaustif. Mais 2 semaines. Lol, je l'avais le samedi pour le lundi. Ah oui, et puis vos horaires réguliers de travail ainsi que les jours de repos pourront être modifiés par la direction sous réserve d'un délai de prévenance de 2 semaines. Je lol fort. Ce que vous acceptez expressément. Mais what? Non mais ça va aller? C'est non quoi. Je suis désolée mais non. Et du coup, j'ai vu aussi par rapport au congé, les dates auxquelles vous prendrez vos congés seront fixées par la direction. Donc oui, en fait, c'est eux qui décident. En tenant compte des impératifs du service dans la mesure du possible de vos desiderata. Donc en fait, non, ils font ce qu'ils veulent avec les vacances. Ils s'accordent le droit de... Non mais c'est ouf. Bref, ne travaillez pas à Intermerdier. Soit dit en passant. Bon, évitez d'y faire vos courses aussi, hein, je vous. Voilà. Voilà. En 2014, j'ai été à New York et j'ai vu une dame prendre les poubelles sur le quai pour les mettre dans une plus grosse poubelle et ensuite retourner en caisse et vendre des tickets. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ça à mes collègues, ils se sont foutus de ma gueule et maintenant on leur demande de prendre un balai et de nettoyer quand il y a une bouteille de verre cassée ou de passer la raclette quand il y a une infiltration d'eau. Ouais. C'est ouf. Le monde évolue, mais en même temps, oui et non. On n'évolue pas tant que ça. Pour certains trucs, je trouve qu'on régresse, mais... C'est Little Mix, hein? Un mélo. À chaque fois, je te le demande. Il va y avoir bientôt le moment où je vais demander le nuancier des Black Edition à Kalina. Attendez, attendez, ça va bientôt arriver. J'ai failli te le dire avant, j'aurais dû. Tu sais, le live, c'est toujours le même en fait. La meuf, elle tourne en boucle. Comme dans le bouquin là, où c'est qu'elle revit toujours la même journée, bah c'est un peu ça. Et encore, c'est rien quand on pense qu'avant, tu avais une augmentation de salaire de 30 euros ainsi que ton statut qui évoluait en échange de faire des contrats et maintenant tu fais des contrats parce qu'on t'y oblige et tu n'es ni payé en plus ni revalorisation de ton statut. C'est ça. Bah moi, 12 ans de SMIC. Hein. 12 ans de SMIC et
Et tu avais quelques avantages au début, tu avais des cadeaux de Noël, des trucs comme ça. Et plus ça va, et moins tu as. Et c'est toi qui dois. Voilà. Il faut que tu payes pour ton équipement, il faut que tu payes pour ci, il faut que tu payes pour ça. Enfin, c'est. Oh, c'est dingue! Ah, faudrait que je le mette ça aussi. Dingue! Le truc des visiteurs, là. Mais d'ici le prochain live, j'aurais oublié. Mais puis, ça fait beaucoup de commandes maintenant, non? Je sais pas. Don't be lâché. Louer vacher. Attends. Commande. Dingue. Visiteur entre parenthèses. Est-ce que je vais savoir ce que c'est? Peut-être. C'est dingue! Level 22! Mais Aveus. N'empêche, Simone, elle est belle, hein. Hein, elle est belle, Simone. Elle a des beaux yeux. Ça va, elle a fait un bon couplage aujourd'hui. Promis, Mélo, je ne ferai pas le couplage la prochaine fois que tu fais un live, je le ferai pas. Voilà, je laisserai quelqu'un d'autre le faire parce que, voilà, moi j'ai la guigne. Voilà, je me contenterai de le nourrir. On va faire ce pacte-là entre nous. D'accord? D'ailleurs, faudrait que je m'en occupe de mes commandes vocales, j'ai pas eu le temps. Ouais, parce que c'est pas toi qui l'as fait. Oui, je toucherai mes fesses. Si tu veux, si ça te fait plaisir. Voilà. Faudrait que j'essaye un coup. Je ferai une baston et je me toucherai les fesses en même temps. Attention. Il va te falloir un assistant, Taz. Il faut que quelqu'un te donne les crayons au fur et à mesure que tu fais ton nuancier. Tu es une star. Tu devrais avoir un assistant, quoi qu'il arrive. Ah bah. Enfin, je l'ai senti. 15 XP pour un cookie. Boyfriend. Merci, merci pour Simone. Elle ne mourira pas de faim. Ah. Quinze XP. C'est ouf, hein, c'est à la tête, hein. C'est à la tête, j'ai l'impression. Yes. Indianas. Yes. Clear. Atheus, if I am DNS, if I am DS, ouh. Nullissime. Mais c'est grave, hein? Mais oui, tout à l'heure. Hein. AXP, ok. D'où tu décides un XP? C'est parce qu'il a pas faim? C'est parce que. On ne sait pas. On ne saura jamais. Nous ne sommes pas Simone. Et après, Simone et Janine, elles partagent le même estomac? Comment ça se fait? Oh! Ça aurait pu faire un bon couple là. Putain, elle m'énerve, elle. Elle gagne. Je suis contente parce qu'elle garde sa couronne, mais pourquoi Taz, elle gagne et pourquoi moi, quand je fais des bastons, je perds? Pourquoi? Move. Je suis une star normale, ouais. D'accord. Fais gaffe, parce que je vais demander à Wizbot de te remettre à ta place. Attention.
Et ne soudoie pas Wizbot, d'accord? C'est pas la peine de lui faire les yeux doux. La plupart du temps, il comprend pas ce que tu dis, de toute façon. Il est comme à peu près tout le monde ici. Voilà. À part Cassie. Voilà. Cassie a dû faire un séjour en Tasmanie. Voilà. Je pense. Un jour oui, un jour non. Wizbot. Demande-lui s'il va t'acheter des prismas. S'il te fait un cadeau de Noël. Demande-lui s'il est riche. S'il est beau. Arrête! Oh là là, la meilleure quoi? Hein? La meilleure en quoi, s'il te plaît? En pole dance aux toilettes, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, t'es la meilleure. La ah, non, la Avec qui as-tu des déboires, Kalina? Est-ce que des prismacolores vont me tomber dessus un jour? Ouais. Te tomber dessus déjà, enfin, faudrait. Tu remplis un dossier sur Internet pour gagner du temps. Ouais. C'est comme moi avec mon identification La Poste. Tu commences le truc sur l'application et puis ils te disent d'aller à ton centre postal le plus près. J'y suis allée. Le monsieur, je voyais que ça allait être compliqué. Le monsieur a plus de la cinquantaine et déjà, tu vois qu'il galère déjà avec son appareil. Et là, il te dit, ah, je suis désolée, mademoiselle, mais je suis pas très à l'aise avec ce matériel. C'est pas trop ma génération. Donc là, tu te dis pourquoi je suis venue ici. Alors, t'essayes une fois, t'essayes deux fois, t'essayes trois fois le truc, et voilà. Et après, il te dit, ah, c'est bon. Ouais, je suis rentrée chez moi, c'était toujours pareil. Il va falloir que je retourne. Du coup, lundi, faut que je pense à aller à la poste. J'espère que ce sera ouvert. Parce que pour que poster le dossier, le colis de le dossier. Le dossier de Fifine, je vais le poster, tu vas voir. Je vais poster le colis de Fifine et je vais en profiter pour finir cette fameuse identification postale hein, parce que si jamais je dois faire une formation ou quoi je vais avoir besoin de ça voilà ils nous font chier donc tu téléphones et là personne comprend rien pour finalement te dire on vous envoie un courrier oh là là. Ah oui, tu penses gagner du temps, mais finalement, ça prend le. Non, mais tranquille, tranquille, Fifi. C'est juste qu'il faut que j'aille chercher des trucs en ville. Puis je préfère, ouais, aller. À celui d'Amien, parce que là, papy, il a rien compris, quoi. Puis je vais pas remplir le formulaire je sais pas combien de fois, c'est bon. Il y a un moment, t'as bien vérifié que c'était moi, quoi.
Déjà, les explications du site internet n'étaient pas claires. Alors, comme ça, c'est sûr, c'est compliqué. Serette, tu es là? Serette, es-tu là? Si tu es là, tape 3 fois. Le truc prévoyance machin là, c'est avec ta mutuelle, la mutuelle du taf ou c'est autre chose? Parce que j'ai regardé, j'ai été jusqu'à me reconnecter à cette mutuelle de brin que bah, j'utilise pas finalement parce que bah, elle est nulle. Mais j'ai pas trouvé. Ah, pas trouvé. Il va falloir que je qu'elle rappelle le boulot pour demander à la comptable qu'elle lui envoie. Parce que je n'ai pas. Et je sais pas si le fait que moi je l'utilise pas, ça va bloquer le truc. C'est une mutuelle complémentaire du taf, mais autre que la tienne. Ok. Donc ouais, c'est pour ça. Donc non, j'ai jamais rempli. Je te dis, c'est des fourbes. Ils te le disent pas que t'as ça. Parce que voilà. C'est comme au début, avant que la mutuelle du travail soit obligatoire, ils disaient pas qu'il y en avait une. Moi, venant, je l'avais. Il y a certains patrons. Là, Manzoni, il veut que les personnes soient bien protégées. Il voulait qu'on l'ait. Mais là, moi, ils veulent pas parce qu'ils voulaient pas payer. Et du coup, bah, j'ai dû quémander, quémander, quémander pour l'avoir. Après, c'est passé obligatoire. Et ils ont tout sucré. Elle est devenue nulle, mais nulle. Mais s'ils sont comme ça, ils... C'est ouf. C'est à la comptable de faire le dossier. On a appelé la comptable hier. Elle lui a dit qu'il fallait que je cherche le contrat que j'avais soi-disant signé le jour de mon embauche, il y a 12 ans. C'est ouf! Déjà qu'elle a raconté du mytho, qu'elle a dit qu'elle avait envoyé mes fiches de paye, alors que... J'ai pas eu une seule fiche de paye depuis janvier. Voilà. Mais ça coûte de l'argent. Voilà. C'est ouf. Ils auraient pas dû s'appeler Intermarché, ils auraient dû s'appeler Ratatouille. C'est à la comptabilité. Ouais, la comptable. Pourtant, elles sont deux maintenant. Bah écoute. Mais de toute façon, elles n'ont pas le droit de prendre les devants. Et même si elles voudraient. Voilà, faut qu'elles aient l'aval. Bah là, elle me les a envoyées par mail. Mais du coup, bah, c'est pas les. C'est des doubles. Elle m'a envoyé les doubles par mail. Donc même si j'imprime, c'est pas bon. Puis de toute façon, c'est pas valable si c'est une impression d'un. Il me faut les originaux. Quand même. Mais je te dis, à mon avis, c'est la patronne qui les a dans son bureau. Parce qu'il fallait aller les chercher tous les mois, ta petite fiche de paye. Il y a des fois, t'en récupérais je sais pas combien parce que bah, elle n'est pas toujours là. Voilà. Et c'est sa façon de pouvoir te voir et de te faire des petits reproches, tu vois. Ah, Valérie, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Au fait, vous voyez le genre? Je suis sûre, vous voyez. Je sais pas, mon mari, il reçoit ses fiches de paye par mail. Ah ouais? Ouais, c'est une garce, ouais. Ce genre de personne, je j'arrive pas à comprendre comment ils peuvent vivre en se sentant bien.
Ouais, nous pareil, on les reçoit par mail. Mais est-ce que c'est des doubles que vous recevez? Moi, il y a bien écrit double dessus. Découpage de vignettes en cours. Ah, il n'y a pas d'histoire d'original copie. Bah écoute, moi, c'est écrit double dessus. C'est comme si avant on les donnait papier. Donc, et quand j'avais besoin, si j'en avais perdu une ou quoi, elle donnait un double, tu vois. Et ben c'est pareil. Enfin, bon, bref, de toute façon, j'y comprends rien. Alors, ce qu'il y a écrit dessus, parce que maintenant, t'as les congés, même quand t'es en arrêt, tu cumules des congés, mais ça m'a pas l'air. Voilà, je crois qu'il me carotte niveau. Si. Cherche pas, ils ont bloqué tes fiches quelque part. Ouais, non, mais de toute façon, je te dis, elle les a, elle attendait que j'aille les chercher pour pouvoir me faire un petit reproche. Comme si j'allais y aller. De toute façon, t'as pas allé sur ton lieu de travail quand t'es en arrêt. De toute façon, même si si je voulais, je peux pas, j'y arrive pas. Je veux pas cramer de l'essence. Ouf. Hein. Miss Framboisette! La prout prout prouteuse. Attends, faut qu'on lui mette le. Faut qu'on lui mette le la commande pété. Vas-y. Pété. Pour toi, Miss Framboisette. Attends. Ah, mais j'ai pas les accents qui se font. Si. Si, bah si. Pourquoi je. Il faudra que j'en mette d'autres. On reconnaît à peine que c'est Artus, hein. Voilà. Bienvenue, Miss Framboisette. Bienvenue. Est-ce que ça va? C'est écrit. Oh, là, va falloir que je me refasse une petite dose de vitamine D, je pense. Même si c'est dégueulasse, on est d'accord. Vous en pensez quoi? Vous les prenez. Ouais, petite question. Ok, Kalina. Vos trucs de magnésium. Non, pas magnésium. Vitamine D, là. Vous les prenez dans une boisson ou vous les prenez cul sec? À part ma sale nuit à cause de mon estomac. Oh là là. Dans le jus d'orange? Cul sec. Ah ouais, il y a deux salles, deux ambiances, quoi, comme d'habitude. Let's get physical. Oh non. Un fond de jus d'orange, ouais. Ah, moi, je trouve ça. Par contre, là, je vois mes médocs que j'ai pris hier soir, et c'était pas les mêmes boîtes que la semaine d'avant. Bah, il n'y a pas le goût. Je sais pas si c'est pas planté. Hein. Je sais pas si. Non, j'ai pas gardé les ordonnances. Don't you Mais bon, moi, je suis un problème. De toute façon, je suis. C'est rien, c'est juste le labo, c'est un autre. Ouais, sûrement. Mais le goût, je te dis, ça va là. C'est pas ce. Oh, j'étais obligée de prendre un truc. Et vraiment essayer de pas qu'il touche la langue ou. Enfin, quand je le prenais, il fallait vraiment y aller vite. Hein, parce que sinon. Ça. Puis t'avais beau boire après, ça restait. Hein. Ouais, je fais des têtes bizarres, je sais. Let's get physical! Moi, du coup, hier soir, j'ai juste eu le temps de faire mon pilulier. Waouh! J'ai eu une super occupation hier soir. Ce matin, j'ai failli vomir en l'air. Arrête! Attends. T'as fait un live ce matin? Attends, je suis pas là. T'as pas fait de live ce matin? Tu peux leur demander un labo spécifique aussi, surtout pour les génériques. Ah!
Sérieux, t'as fait un live ce matin? Bah non, j'étais pas là. Putain, à cause du mode podge? Ah, ça pue, c'est vraiment horrible. Mais comment ça se fait que t'as fait un live et que je le sais pas? Pourtant, je suis allée voir sur Twitch, j'ai pas vu de Taz. Putain, je me sens mal là. Putain, t'as même pas appelé Patrick, quoi. J'ai vu qu'il y avait avant live. Bah oui, notif, 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 es-tu là? Notif, t'es pas là. T'es jamais là, notif, quand il faut. Mais non, sérieux, t'as fait un live, punaise. Mais, je progresse, j'ai dit punaise. Pourtant, ça fait quelques jours que j'en lâche un des. Et je crois que Jade a. Elle a dit quelques fois aussi. C'est moche. C'était bien en plus. Bah. Ouais, les notifs, elles sont cassées. Faut appeler où? Le service après-vente. Bonjour de Twitch, il est où? Il y a un numéro. Support Psycho. Le Lobel Psycho. Bon, bah voilà. J'ai un live à rattraper. Et je vais être obligée de te mettre sur la télé parce que sinon j'entends rien. Voilà. Oui, je râle. Et je te le montrerai encore, je te ferai une vidéo, tu verras que je suis obligée de te mettre à 34 pour entendre. Pour les devoirs, sont pas pétés, les notifs, sa mère. Ah bah ça, t'inquiète, je l'ai pas eu encore? Non, bizarre. Bizarre. Ça serait... Enfin, il n'a pas eu de devoir une fois dans la semaine. Non mais j'ai eu ma convocation avec la maîtresse, là, bah, c'était quand? Jeudi soir? Elle en a profité pour me faire le petit bilan, hein, voilà. Bilan de ce que je savais déjà, mais bon, c'est pas grave. Mais comme ça, Liam, il sait que je sais que. Voilà. Bah, je l'ai vu après, tu sais, pour le problème pipi, là. Et du coup, elle en a profité, mais est-ce que c'est vrai, on s'est pas vu pour le résultat de l'évaluation, parce qu'ils ont passé une évaluation en début d'année. C'est complètement débile, le CE1. Ils ont une évaluation en début d'année, du coup il y a eu les vacances, pour essayer de voir ce qu'ils se souviennent, mais bon, après les vacances, ils ne se souviennent pas de grand-chose. Hein. Bref, il faut qu'ils... Il dit pas assez de mots à la minute. Voilà. Donc il faut qu'ils s'entraînent à la lecture, tout ça. Et puis les maths, la résolution des problèmes, c'est pas ça. Bah oui, forcément, faut lire le problème. Même s'il a la réponse sous le nez, il va pas la chercher, quoi. Il est feignant, comme sa mère. Voilà. Sous psycho, a little bit psycho. Pauvre gosse, ils peuvent pas les laisser tranquilles. Bah là, il a, oui, là, il a pas d'évaluation avant l'année prochaine, milieu d'année, je crois. Mais bon, de toute façon, le système scolaire français, ça vaut pas grand-chose, je trouve. Voilà, on fait des. Les futures générations vont pas être très très intelligentes. Hein. J'en ai bien peur. Hein. S'ils se cultivent pas eux-mêmes, je. Voilà. Parce que là, tout ce qu'il a à lire, c'est des recettes de cuisine pour l'instant. Il comprend rien de ce qu'il lit. Ça les catégorise, ça c'est nul, ils se rendent pas compte. Non mais. Pareil, ils apprennent des poésies qui ont ni queue ni tête. Même toi, tu la comprends pas. Donc, ok, je suis là. D'accord. Ils font déjà des dictées. Enfin, ils ont des dictées mots, mais enfin, il sait pas encore lire et tout. Donc, je vois pas le. Enfin, il sait pas lire tout. Enfin, leur façon d'apprendre les par syllabes, par machin, j'ai pas l'impression que ce soit fifou. C'est reconnu qu'ils ont transformé l'école pour être une fabrique à crétins. Mais oui. C'est pas de réflexion ni d'esprit critique trop dangereux. Ouais. C'est lisse. Pas dépasser du. Faut apprendre de telle manière et. Ouais, du coup, l'autre jour, quand il est rentré avec ses additions, là, je lui fais, tu fais comment? Tu fais comment pour faire tes additions? Tu les poses, tu. Mais il a toujours besoin de ses doigts, c'est.
Ou de sa bande numérique, là. C'est quoi ça? On n'avait pas ça, nous. Chacun. Je sais pas trop quel niveau on avait, nous, en CE1, mais je pense on savait faire plus de choses que ce qu'ils font maintenant, hein. Même les calculs posés, ils font plus comme. Ah ouais? Bah, je vois qu'il entoure la retenue ou je sais pas quoi, là. Je le laisse faire parce que, franchement, je comprends rien, hein. Mais. Puis les noobs, là, ou je sais pas quoi, là. Ils regardent des vidéos pour apprendre à compter. Donne-lui des pièces, au fond, c'est la meilleure façon d'apprendre. Bah oui, je préfère quand il a des billes ou machin, et puis c'est plus simple. Ou des bonbons. Ça rentre bien avec les bonbons. Putain, ça va être l'heure déjà, j'ai pas envie. Bon, j'aurais quand même avancé quand même. Pourtant, j'étais mal parée, hein. Franchement, je vous le dis. Oh, le colo de l'angoisse, là. Dans quoi j'ai été me foutre? Taz, je t'en veux. Voilà, c'est de ta faute. Voilà. Donc, le résultat, ça sera de ta faute. Voilà. Lilala. Ouais, mais les bonbons, ça s'empile. Ça s'empile pas et en plus, tu risques de les manger. Ouais. Sérieusement, les pièces, je trouve que c'est vraiment un truc le plus intéressant à apprendre à compter rapidement de tête. Mais j'ai pas de pièces à la maison. Je peux pas lui donner la carte bleue, j'ai pas assez de carte bleue. Et puis si j'ai le malheur de lui donner des pièces, il y a la petite qui va arriver derrière et ça va être un carnage. Moi aussi je veux des pièces, nanana, enfin, voilà, on va retrouver des pièces partout dans la baraque. Puis sachant que l'argent c'est très sale. T'en imprimes? Oh, attends, mais. Eh, il y a écrit flemme là, hein. Je vais me le faire tatouer, je pense, hein. Tu fais des pièces avec des bouts de carton et tu mets la. Oh non, mais vous êtes folle, vous! Vous croyez que j'ai que ça à faire? Sérieux? Tu lui fais faire, ouais, bah, on est mal barré. Et l'encre, ça coûte cher, c'est ça. J'ai toujours pas racheté de cartouches, hein. Je voulais imprimer les witches, là, j'ai vu que ça faisait que des bords noirs, je me suis dit, c'est mort. Je me suis dit, c'est mort. Eh. J'ai vu, il faudrait peut-être que j'achète les pipettes de couleur et que je les remplisse à la seringue. Mais j'ai peur que ça foire et que j'en m'en fous partout quand même. Un feutre pour chaque somme. Vous me convertirez pas, hein. Je suis trop flemmarde. Je sais pas ce que ça va donner. Il y a des endroits où c'est plus jaune que orange ou. On verra, mais je pense qu'une fois le fond. Donc, fond gesso noir, je pense. Et je. Mais est-ce que je peux rajouter, je peux réhumidifier dessus, ça va pas bouger? Si je veux rajouter un truc iridescent de style. Comme ça, par-dessus. Vous voyez bleu, mais il est plus violet, hein. Si je mets ça par-dessus du gesso noir, ça fait quoi? Donne pas de solution, Cassie, ils sont payés pour leur apprendre. Nous, on n'est pas des professionnels. Bah non. Tu aurais peut-être pas dû faire des enfants avec un tel trait de carré. Oh! J'étais peut-être moins flemmarde avant, mais voilà. Oui, je sais. Si. Si je mouille pas trop, ça devrait le faire. Faut que je le mette limite ça ou un autre truc, je sais pas. Faut que je vois. Faut pas trop que ça bouge. Oui, je suis flemmarde. J'ai carrément changé l'imprimante pour une avec des réservoirs d'encre. Du coup, le coût d'impression à la page est vachement moins cher. Bah, ça me fait un bail que je l'ai à mon imprimante. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Elle est rentabilisée. Hein. T'as juste été influencée par cette poupée qu'on t'a offerte quand tu étais gamine et que tu en avais marre de t'occuper d'elle. Tu avais juste à la ranger dans la boîte ou dans le placard. Poupée Barbie? Poupée? Je sais même pas si j'ai joué avec des poupées. Je me souviens très peu de mon enfance.
Sève avait une Barbie. Ça, je sais. Moi, j'avais Sandy. Voilà. Désolée, Sœurette, pour les cheveux de ta Barbie. Fallait me la prêter. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ouais, je suis rancunière. Hein. Je suis rancunière. Je l'ai pas oublié, moi, la Barbie Sunday. Hein. Ouais. Bon, est-ce que je peux vous raid quelque part? Eh bah, j'ai fermé la page. Bah oui, j'ai fermé la page. Bah, comment qu'on fait, madame, si vous fermez la page? C'est pas ça, c'est ça. Je sais pas qui c'est qui est en live. J'ai de la lecture, donc Taz, elle va pas être contente. Oui, Taz ne sait pas lire. Bah oui. J'ai Asilidan. C'est qui? Titange. Voici une Titange. Hop, allez. Elle fait du DP, Titange. Ouais, chez Titange. Asilidan, désolé, mais t'avais. Voilà. Et ben non, on est parti chez Titange. Et pourquoi? Ah si, ça marche. Donc je vous fais des bisous. On se retrouve pas mardi du coup. Jeudi, ouais. Jeudi matin, je serai à l'école, mais jeudi après-midi, je serai à la maison. Ça sera bon normalement. Donc on va chez une petite tange. Je vous fais des bisous. Passez un bon week-end. Voilà. Ne tombez pas malade. Couvrez-vous. Des bisous. Faut que je trouve le bouton. Prenez soin de vous. Bon colo. Bisous, bisous.